Voilà, bonjour à tous. Faites poli dans la vie, hein. Alors, présentation, je pense, deuxième vidéo de mon locotracteur entièrement imprimé en 3D avec une radiocommande que voici. Je fais pas la pub. La télécommande me permet d'éteindre le phare allumé et de rouler. On va faire une petite démonstration. Voilà. Marche avant et marche arrière sont bien sûr d'actualité dans mon montage. Voilà, donc ici je tire deux wagons de mine. Ils sont chargés et assez lourds, hein. Enfin, il n'en tirera pas cinq. Le conducteur de la petite machine est également fait en imprimante 3D avec une belle petite casquette. La casquette, elle est faite maison en papier, de la colle et du papier. J'ai pas trouvé de conducteur adéquat. Donc il est ici en bleu de travail. Il est fixé à la loco. Il fait son travail. Il conduit, regardez comme il est prudent. Voilà. Bon, maintenant je pourrais aller beaucoup plus vite aussi, mais c'est pas très réaliste. Dans les autres wagons ici, mais je n'en tire que deux à la fois avec le locotracteur. Bon, je rappelle que c'est de l'échelle 1/22e, le conducteur pile poil au 22e. Voilà. Alors on va l'arrêter. Faire une petite marche arrière. Et on va montrer l'intérieur du capot. Le capot est simplement glissé comme ceci. On a ici le contrôleur d'accu. Accu LiPo 2S. Voilà. On voit qu'il est vert. Là, au bout de mon doigt, le récepteur. Après, ici devant, le moteur. Ici, un petit variateur à 9 euros et quelques de Shobik Inc. Et un poids. Voilà. Concernant le reste, c'est un moteur de réemploi. Ce sont des engrenages de réemploi de vieux jouets. Je récupère tout, moi. Voilà. Une vue du conducteur. Il s'appelle Alfred. Un réservoir d'air sur le toit. Un klaxon. Le phare. Une LED, très puissante quand même. Voilà. Pour rappel, je trouve que ça roule pas mal. Bon, j'ai fait deux vidéos. Avis aux amateurs. L'impression 3D. On peut faire de belles choses. J'ai déjà montré le wagon. À l'échelle G aussi, pour une vidéo précédente. Et en parlant de wagon, en voilà un qui est fait en impression 3D aussi. Porte coulissante. Voilà, hop. L'attelage est réalisé avec l'imprimante 3D. Les bogies aussi. Tout est fait en 3D. C'est fantastique, bel outil. Et le petit, le contracteur suit son bonhomme de chemin. Le boulot est fait par un conducteur consciencieux, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir.